Le film que je vais vous montrer, c'est un film que j'ai mis, on va dire, 4 mois à peu près à coucher, parce que on devait travailler avant la fin de, avant la rentrée de la troisième année, avant l'année du diplôme. On nous avait dit préparez vos scénarios, commencez à faire des recherches, écrivez, parce que écrire un film c'est compliqué et tout. Et voilà, pendant tout l'été, j'avais préparé ça, je m'étais fait enfin, ce que j'estimais être un super truc. Et je suis arrivé à la rentrée avec un pavé, comme ça, des recherches graphiques, des trucs et tout. Et puis on m'a dit, mais mec, c'est dégueulasse ton truc. Voilà, donc ok, on a viré mon premier scénario, j'en ai réécrit un, et puis un deuxième, et puis un troisième. Et puis à la fin, on m'a dit, d'ailleurs, ce prof que j'avais à l'époque qui encadrait la section animation, il s'appelle Benoît Chieux, c'est le réalisateur du prochain long métrage de Folle Image, sur lequel je travaillais il y a encore enfin, janvier dernier. Donc ce mec-là qui m'a beaucoup aidé finalement, même si je le détestais la première fois que je lui ai parlé, qui m'a dit c'est vraiment trop nul, voilà, il faudrait que tu arrêtes de faire du dessin animé parce que tu sais pas écrire et ça marche pas quoi, donc voilà. Je l'ai un peu mal pris, bien sûr, et il m'a dit non, mais je plais, enfin, c'est un mec qui est assez cash et tout, il dit pas les choses forcément méchamment, mais il dit les choses, quoi, et du coup, je lui ai dit non, mais je veux vraiment faire ça et tout, je me bats pour ça depuis 4 ans, là je me suis pas fait virer, mais c'est presque pareil, quoi, tu vois, tu peux pas le faire ça maintenant. Il m'a dit bah ouais, mais bon, en gros, ça fait 3 mois qu'on a commencé, t'arrêtes pas de me proposer des films et ça fonctionne pas du tout ce que t'écris, voilà, va faire de l'illustration. Et je lui ai dit bah non. Il m'a dit bon bah ok, si tu insistes, on va faire ça différemment. Et donc ça c'est une technique que voilà, je le crédite un peu dans la chose, souvenez-vous de lui, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais il m'a dit écrire un film, c'est pas forcément prendre un stylo, donc je vous le dis parce que je pense que ça peut vous servir, moi ça m'a un peu changé la vie, mais écrire un film, c'est pas forcément prendre un stylo et commencer à dire il était une fois dans la neige à un moment donné. Il y a plein de manières d'écrire des films et il n'y a pas une manière qui fonctionne à tous les coups. Donc il m'a dit, tu veux faire un film, très bien, rentre chez toi, fais des dessins et puis on va en parler, voilà. Donc je lui ai dit, ouais mais ça veut rien dire ce que tu me dis, je vais faire des dessins de quoi, etc. Donc je commence à le gonfler, je voyais bien. Et il a pris une chaise, il m'a dit, bon, on va s'asseoir, de quoi est faite ta vie, qu'est-ce que tu aimes dans ta vie, qu'est-ce que tu aimes faire, quelles sont tes passions, etc. Et je savais pas trop quoi répondre, et je dis ah oui, effectivement, je fais de la danse, bon bah voilà, et tout. Il m'a dit ah ouais, la danse et tout, mais c'est super et tout, qu'est-ce que tu fais comme danse, est-ce que je peux voir des trucs? Et je lui ai montré des vidéos de danse, il m'a dit mais c'est génial, voilà, fais ça. Et je lui ai dit ouais, mais ça veut rien dire ce que tu me dis, fais ça. Et il m'a dit bah voilà, tu fais un mec qui danse. Je lui ai dit oui, mais il n'y a pas d'histoire. Il m'a dit oui, mais pour faire un film, il faut pas forcément une histoire. Je lui ai dit ah ouais, c'est pas faux. Et puis je lui ai dit mais malgré tout, c'est pas ce que je veux faire, j'ai envie de raconter un truc et tout. Et de toute façon, sa pédagogie, quand on est entré en troisième année, il a dit qu'il fallait qu'il y ait obligatoirement 2 personnages. Parce que dans une histoire, c'est très difficile de faire, comment dire, communiquer un seul personnage. Donc il a insisté sur le fait qu'il fallait qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la communication, etc. Et donc il m'a dit, bah voilà, tu fais 2 personnages qui dansent et tout, et puis voilà. Et puis moi j'étais un peu têtu, je voulais absolument une histoire et tout. Il m'a dit, commence par cette étape, fais-moi des dessins, et puis tu reviens avec tes dessins, on se voit dans 2 semaines, et voilà. Et donc là, tout ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire ne pas écouter les profs, j'ai fait complètement l'inverse. Je suis rentré chez moi, j'ai fait que des dessins, je pense que je suis arrivé 2 semaines après avec 50 images, voilà. Je voulais pas qu'ils me disent genre, non mais en fait vas-y, va faire l'illustration. Je voulais qu'ils m'aiment bien et je voulais qu'ils me disent ok, c'est bon, tu peux rester avec nous dans la section anime. En sachant qu'il y a Paul, à cette époque, c'était lui qui demandait ça, il voulait que la section animation soit assez réduite pour qu'il puisse justement suivre à peu près tous les projets. Et c'est très compliqué de suivre un film, donc si tu as 12 élèves, c'est déjà pas mal. Nous, je crois qu'on était 11. L'année précédente, ils étaient un peu moins. Celle d'avant un peu moins, normalement c'était 6, à Cole c'était 6 élèves en anime, donc non seulement les gens se battaient pour ne pas être virés à la fin de l'année, mais en plus ils se battaient pour arriver à avoir la place en anime, quoi. Donc bref, l'ambiance. Et bon, finalement j'arrive avec mes dessins et il me dit voilà, c'est cool, bon bah voilà, t'as bien travaillé, je pensais pas que tu les ferais, ok. Et du coup il me dit bon bah voilà, comment on va faire, maintenant t'as des dessins.
si on s'imagine qu'un dessin ou une photo en prise de vue représente un plan d'un film, qu'est-ce que ça fait si je mets ce dessin à tel endroit et si je mets celui-là avant, et etc. Mais en fait, ça fait tout simplement un découpage et vous pouvez créer et raconter une histoire à partir de ça. Et c'est très très simple. Tu prends, vous me racontez l'histoire, enfin c'est nul parce que je ne me rappelle plus du réalisateur, c'est un réalisateur genre un peu underground et tout, j'aurais bien sorti le nom, mais je ne me rappelle plus. Il m'a dit, le mec a pris 5 photos comme ça, dont lui, on lui a donné une table avec des photos différentes. Et on lui a dit, bon bah voilà, enfin c'est lui qui expliquait cette technique en fait, il a dit, je vais vous sortir 5 photos. Et avec ces 5 photos, je vais pouvoir faire un long métrage. Et la technique est très simple. Tu prends une première image qui te plaît, une deuxième, etc. Tu les mets dans l'ordre que tu veux, qui à peu près pour toi raconte une histoire. Et si tu dis que tu as 5 images, tu vas faire avec la première image un découpage de 10 vignettes qui racontent cette image. 10 fois 5, ça fait 50 si je ne me trompe pas. Avec 50 vignettes de storyboard, tu as un film d'environ 3 minutes. Donc déjà, tu as écrit quelque chose qui ne passe ni par la littérature, ni par le côté rébarbatif de se plonger dans un texte cadré par des scènes, etc. Donc après, bien sûr, tu dois faire le travail d'écriture parce qu'il y a des commissions comme le CNC qui demandent des scénarios, etc. Mais du coup, ça ouvre des perspectives. Quand on te dit « non, tu n'es pas littéraire, bah, tu peux écrire d'une manière différente. Il y a vraiment plein de possibilités et après, c'est à vous... évidemment de chercher, mais ça c'est une bonne possibilité, enfin c'est une bonne, on va dire, expérience à faire, parce que surtout quand on vient du dessin et qu'on a l'habitude de griffonner des trucs, etc. Enfin moi en tout cas, très souvent je réfléchis plus par le dessin que par l'écrit. Mettre des idées sur papier, peut-être que c'est un plan, une scène, juste une image qui va être plus parlante que 30 phrases. Voilà, et donc c'est comme ça que ce film que je vais vous montrer est né. J'ai fait les images qu'il m'a demandé, on en a discuté, et puis petit à petit, après c'est un peu de l'ordre de la thérapie, parce qu'il y a plein de choses inconscientes qui ont surgi malgré nous, et puis c'est un peu l'art de toute manière. J'ai pas choisi cette histoire, c'est un peu une histoire qui s'est imposée à moi-même, et quand les gens m'ont dit « Ah, c'est vachement touchant ton film sur ton père et tout », je disais « Mais rien à voir, je parle pas de mon père, je vois pas de quoi vous parler. » Et voilà, on m'a fait cette remarque, je sais pas, des dizaines de fois, jusqu'à ce que, peut-être 2 ans après, j'ai réussi à dire « Ouais, ok, c'est plutôt autobiographique, mais c'est un travail qui reste inconscient, et c'est ça qui me plaît finalement dans le travail d'auteur, et dans le fait, même pas dans le fait de faire du dessin, mais juste dans l'écriture de manière générale, c'est que, sans parler de thérapie, on se retrouve et il y a des choses inconscientes qui ressortent malgré nous, quoi.